Hey yo tout le monde, c'est Rookie, on est sur Vanguard, un Call of Duty oublié, un Call of Duty qui a fait peu de ventes, un Call of Duty un peu boycotté par la communauté, auquel j'ai strictement jamais joué. C'est vraiment la première fois que j'installe et j'ouvre le jeu. Mon niveau en fait est le même que sur Call of Duty Black Ops Cold War ou sur d'autres Call of Duty récents en fait, hein, c'est le niveau... qui était sur Warzone 1 à la base, puisque c'était un jeu, j'avais débloqué les armes sur Warzone 1 et j'avais joué avec, mais jamais sur le multijoueur en tout cas. Et donc aujourd'hui, je vais le tester pour la première fois et voir pourquoi à l'époque, c'est pas le Call of Duty qui a le plus plu. Est-ce que c'était l'effet Caldera? Est-ce que c'était un ras-le-bol de la communauté? Je sais pas. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on va y tester ce Call of Duty, des maps légendaires et aussi des armes légendaires. Je vous emmène avec moi, c'est parti! Ok, donc je sais pas si la partie a déjà démarré ou pas. Je connais pas la map. Ok, non, c'est bon. Ok, donc on va jouer STG 44 surtout sur ce gameplay là. Il y a quand même un peu des vibes, je trouve, de. On se retrouve un peu sur Warzone 1. Hein. C'est un peu marrant ça. Waouh. Et en arme secondaire, j'ai pris le revolver, je sais plus comment il s'appelle. Avec ma variante STG là, ma petite variante STG. Ah, j'ai complètement oublié de. J'ai complètement oublié de faire les séries d'élimination. Waouh, je me suis pris sa grosse mine là. Ok, donc il y a un mec en haut. Waouh. Waouh, ah ouais. Ça campe pas mal dans les coins, hein. Putain, moi je. Je sais même pas cramé que c'était juste à côté de moi. Ok, ça c'est bon ça. En parlant de tir de loin, on essaiera le sniper après. Voilà. Et le... Waouh! On va se poser 2 secondes. Oh non! Oh non, dommage, je l'ai pas vu arriver sur ma tronche, lui. Sur B par exemple, mettre le petit drone. Oh oui! Dommage. Il y a une grosse batteuse, oui. C'est vrai que sur ce jeu, elles avaient aucun recul, les armes. Comme sur les anciens Call of Duty, au final. Waouh! Oh, cette grenade! En plus, là, je suis sur PS4, je suis en train d'enregistrer avec une carte d'acquisition vidéo, une carte de capture, donc j'ai ma manette SCUF que j'utilise essentiellement sur PS4 et pas sur PS5, parce que je suis habitué maintenant aux manettes PS5. Que j'aime bien. Et donc du coup, j'ai les gâchettes bloquées. Et ça, c'est vraiment pas mal en termes de réactivité sur Medscuff. Mais non! C'est qui ça? C'est moi?
On est trois, ok, on est trois, ok. Ah, on peut voter! Je vote pour moi, les frères! Tout le monde a gagné, du coup. Ok. 38. Ok, donc on arrive sur une partie domination sur la map sphère. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va plutôt jouer la MP40 sur cette map. Pareil, j'ai pris une variante d'arme, hein, je me suis pas emmerdé. Ok, on va se mettre le petit drone. Wow, mon shoot. Wow. Ah, merde, putain, c'est fou ça. Niveau 1! Merde, je suis bête. Quelqu'un m'a visé? Ok, nice! Bah, pas mal, l'MP40. Pas mal du tout? C'est encore moi! Oh, on a voté pour moi! Mais non, qu'est-ce que ça fait si c'est moi qui gagne? Ah putain, il y en a un deuxième. C'est juste des XP en plus, je pense, non? Bon, on ne saura pas. Et là, on retourne sur un grand classique de World at War, notamment World at War 2, qui est donc l'USS Texas. Ce bateau américain, comme son nom l'indique, et sur lequel on va jouer le Kar 98. 98K qu'on a. Waouh, hitmarker qu'on a essayé d'équiper pour que ce soit pas trop long. Waouh, ça me tire dessus. Feeling sympa, feeling sympa. Merde, oh, je l'avais pas vu, il était vraiment sous mes yeux coups, quoi. Ouah, wow, je vais me faire allumer là. Ouf! Encore moi! Dingo, dingo! Nice! Écoutez, les amis, moi, franchement, je vais être honnête avec vous, j'ai passé du très bon temps sur ce Call of Duty Vanguard, mais. Faut savoir que ce jeu est sorti en 2021, on est en 2024, c'est 3 ans après.
Je peux comprendre qu'à l'époque, peut-être qu'il y avait une espèce de ras-le-bol, que les gens attendaient un autre Call of Duty, que Warzone était en train de s'essouffler un peu, que la sortie de Caldera n'était pas à la map attendue, et que du coup il y avait une espèce de déception. Peut-être que les gens n'attendaient pas un retour à la Seconde Guerre mondiale, je sais pas. Mais en tout cas, moi, 3 ans après, puisqu'à l'époque j'y avais pas joué, je jouais les armes et je jouais sur Caldera, mais je ne jouais pas au multijoueur. 3 ans après, franchement, moi je trouve que le feeling est plutôt pas mal. Et c'est clairement pas le pire Call of Duty auquel j'ai joué, loin s'en faut. Voilà, en tout cas j'espère que vous kiffez le principe de retourner sur des Call of Duty anciens, de les tester, de donner mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires tant qu'il est constructif et dans le respect. Et puis n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos que ce soit sur des défis actuellement sur Warzone ou bien des anciens Call of Duty. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!